Yo, bonjour à tous et à toutes, c'est Akamatsuda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un unboxing un petit peu particulier, hein. J'ai déjà fait des unboxings pour la Nintendo. Et bien, j'ai dit que j'allais lancer un petit peu plus là-dessus, j'en ai fait deux. Donc voici une présentation d'une magnifique manette. Une manette, attendez parce que c'est difficile le nom, donc je lis, Wireless Oripad. C'est une manette sur The Legend of Zelda, donc le style de The Legend of Zelda, comme ceci. Oh, on va la voir tout de suite. Alors pourquoi j'ai pris ceci? C'est très simple, c'est très simple. Qui dit Nintendo Switch dit bien évidemment que Papa Noël a apporté Zelda Breath of the Wild. Il est magnifique ce jeu, j'ai déjà au moins 40 heures. Je me fais chier en ce moment. Donc j'ai 40 heures de jeu. Mais il faut dire qu'il y a une petite manette, c'est pas pratique. Donc, on va passer là-dessus. Je vais déballer. Je vous présenterai en petit proche avec le petit caisson blanc que vous aimez bien apparemment. Alors, tac. Comment c'est possible de mettre autant de carton pour une petite boîte? Tadam! Mais c'est tout petit! Ah non, je croyais que c'était tout petit. Donc, est-ce que tu es confortable? Ah putain que c'est mieux. Je dominerai le monde. Non, d'accord. Alors, c'est très très bien. Donc on a une manette. C'est hyper confortable en fait. Super classe. Petite info donc sur le truc. Donc on a une distance qui va jusqu'à 10 mètres. On a 15 heures d'autonomie, donc elle se branche en micro USB, donc peut être branchée sur la Switch pour la charger. Peut-être charger sur un câble avec un plug classique de smartphone, mais je le déconseille, passer plutôt par la Switch. Et alors, c'est pour ça que je l'ai pris, mais donc c'est le gyroscope pour le contrôle des mouvements. Je crois plus le mot. Donc c'est assez fou, mais avec la Nintendo Switch, principalement sur Zelda, enfin j'ai découvert là-dessus. Vous avez cette saloperie de mission dans des sanctuaires où vous devez prendre votre Nintendo Switch et tourner comme ça, ou tourner comme ça, ou inversement. Sauf que des fois c'est tellement chiant que finalement je me retrouve avec la Switch à l'envers. C'est pas pratique. Pour éviter cela, je me suis dit qu'on allait utiliser ça, donc je vais déposer, on va utiliser le fonctionnement de la Switch, on va la déposer et je vais jouer comme ça. Et on verra ce que ça donne. Si le temps me permet et surtout que le matériel fonctionne encore, ça fait très longtemps que j'ai pas record sur des consoles. Je crois que la dernière fois c'était sur la PS4 avec Killar sur Rayman. Et cette vidéo n'est plus disponible parce que bon Dieu que le montage était dégueulasse. Mais bon. Du coup, on est comme ça. Une manette qui est assez classe, je vous la verrai dans la box. On a une synchronisation qui a l'air somme toute très facile. Donc je veux dire, soit vous la branchez donc, directement sur le dock de charge, soit vous l'utilisez avec la synchronisation et les boutons qui sont ici. Enfin, c'est assez simple. Par contre c'est chiant, il n'y a pas de câble. Vous allez me dire maintenant principalement tout le monde a des câbles micro USB, mais c'est chiant, il n'y a pas de câble, merde. J'aurais voulu l'ajouter à la collection des 36 autres, fait chier. Passons à la présentation dans sa magnifique box blanche. Et voilà, cette vidéo est super méga finie, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du tout à mettre un like à cette vidéo, n'est-ce pas, à vous abonner en activant la magnifique petite cloche de notification, hein, comme ça vous êtes averti des futures vidéos. 2019 va avoir une flopée de vidéos, ne vous en faites pas, tout est prévu, hein, d'énormes, belles et grandes choses. Donc ça, c'est une certitude, bien évidemment. Je vous invite à me suivre, surtout sur Instagram. Je tease de temps en temps des petits unboxings comme ça dans la description Instagram. Vous abonnez à mon Instagram. Sur Twitter, c'est assez facile. Par exemple, si 2019 arrive des concours, ne sait-on jamais, Twitter, peut-être, ou Facebook, ou Instagram. Donc n'hésitez pas dans la description, encore une fois, à vous abonner à tous mes services d'abonnement gratuits. C'est fou, hein? Et en plus, s'il y a des concours, c'est des concours gratuits. C'est tellement chouette, YouTube et les réseaux sociaux, c'est fou. Abonnez-vous. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et pour d'autres vidéos.